Bonjour, aujourd'hui le rendez-vous est pris chez Truffoli, un restaurant spécialisé dans la truffe. On y va. Issu de l'école hôtelière de Paris, je suis parti travailler dans le sud pendant 4 ans à l'hôtel du Cap Eden Rock pour ensuite devenir responsable d'une enseigne spécialisée dans la truffe à Paris pendant une douzaine d'années. Et puis m'installer ici, restaurant, épicerie fine traiteur spécialisé dans la truffe. Toute la gamme d'épicerie, du foie gras, huile, truffes en bocaux, sel. En entrée, on a des veloutés de pommes de terre à la truffe, veloutés de cèpe, des œufs cocottes. En plat, on va avoir des risottos, tagliatelles, du poisson. En fromage, on aura le brie, qui est un produit phare. Des desserts à la truffe, le tiramisu revisité par Truffoli, des crèmes brûlées. Alors la truffe, il y a déjà la noire ou la blanche. La blanche exclusivement d'Italie, la région du Piémont. Et la noire, donc on a quatre variétés qu'on utilise ici. La truffe la plus noble, la truffe du Périgord, la mélanosporome. Et sinon, on a la truffe d'été, la truffe de Bourgogne ou la truffe brumale. Chez Truffoli, on a fait le choix de faire une cuisine assez simple pour mettre en valeur la truffe, comme c'est un produit très noble. Je vous ai préparé des tagliatelles à la truffe du Périgord. Donc ça, c'est vraiment la crème de la crème de la truffe. Voilà, exactement. Donc en effet, très parfumé. Très goûtu. Alors ici, je vous ai préparé la salade Truffoli, qui est la salade best-seller, on va dire, de notre restaurant, qui se compose de la roquette avec des copeaux de parmesan et de la truffe. J'ai fait le choix de vous mettre de la truffe de Bourgogne. Ah oui, donc en effet, au niveau de la couleur, ça n'a rien à voir. Et au niveau du goût, moins parfumé, très différent, la texture aussi un petit peu différente. Chez Truffoli, les amateurs de truffes seront plus que ravis et les gourmands curieux feront forcément de belles découvertes. À très bientôt pour un nouveau restaurant.